Sim, François Sim. Comme la carte. C'est Caroline, ma femme, qui avait acheté le voyage sur Internet. Elle m'a quitté le mois d'après. Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois. Ah oui? Ouais. Gabriel m'a dit que t'étais un excellent vendeur. Et voilà la merveille. Tête détachable. Tu veux essayer? Ouais. Oh là, oh là. Quatre vendeurs partent aux quatre coins de l'Hexagone. La quête, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Prenez la première sortie. Il faut savoir, Emmanuel, mais ça va. Je plaisante. Tu t'es appelé Emmanuel? La brosse en poil de sanglier. Et alors, je vends pas des brosses à dents ici. Et les gens qui viennent prendre de l'essence, ils ont pas des dents? Bon, je vous jure que ça nous intéresse pas. Mais ça, c'est mon école. C'est là que j'ai connu Oudia. Oh, tu l'aurais vu à 18 ans. Oh. Tu te souviens de ses vacances? Ça te plairait que je te fasse une brosse à dents? Vous faites quoi dans la boîte? On m'occupe de la vente. Continuez 5 km. Et colporteur, quoi. Colporteur, vous parlez de musicien. Pardon? Ne vous dites pas que vous ne connaissez pas colporteur. Calcul en cours. Calcul en cours et ferme-la, connasse. Vous avez connu la solitude, vous? La vraie? Non. Pas spécialement. C'est ça que j'aime bien chez toi. Tu me juges pas. On passe notre vie à éviter les contacts avec les autres. On se frôle. On se côtoie, on s'évite. J'ai réalisé à ce moment que si je mourais subitement d'une crise cardiaque, ça ne bouleverserait pas grand monde. Il n'a pas l'air très bien, votre ami. En fait, il a l'air mort. Pas du tout. On était en pleine discussion. Il n'est pas très bien. Monsieur. Vous croyez que c'est en rapport avec ce que je racontais? Ça existe, hein, être ennuyeux à mourir. Eh oui, mais ça vient pas de nulle part, pour expression. Ouais. Ouais.